une longue jambe qui dépasse du lit. Attention au monstre sous le lit! Au secours! Chut. La petite dort comme un bébé. Aucun monstre ne l'effraie. Bon, il est temps de se savonner et d'aller sous la douche. Si tu es petit, un pommeau de douche est parfait pour se laver tout le corps. Haha, go Elvis! La grande fille commence aussi sa journée avec une bonne douche. Mais c'est juste trop bas pour elle. C'est une douche pour nain? Comment je suis censée me rincer les cheveux avec ce truc? Bon, ok. Je ne suis pas sûre que cela fonctionne. Oh, pauvre fille. Oh là là! Oh là là! Plus vite! Oh là là! Il y a trop d'eau! Dégoûtant. Ok, ok. Ew. Hein? Ok, ok. Je ne peux pas l'atteindre. Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais ce que tu dois faire. Ok. Oh là là! Oh là là! Vite! La grande fille aussi a bu trop d'eau. Oh là là! Quoi? Hey! Je l'ai trouvé! C'était inattendu. Wouhou! Oui! Oups! Désolée, ne t'occupe pas de moi. Je vais juste rester ici. Regardez qui est prête pour une bonne baignade. Dans une baignoire? Vraiment? Oh, elle prend ça au sérieux. Eh bien, allez, montre-nous ce que tu as, petite. Oh, un plongeon parfait, 10 points. Ça, c'est ce que j'appelle un bain de qualité. Les bains des grandes filles sont un peu différents de ceux des petites filles. C'est beaucoup plus zen ici. Ses longues jambes ne la gênent pas du tout. La fête commence bientôt, alors les filles doivent faire des vérifications de dernière minute en matière de coiffure et de maquillage. Comment est mon rouge à lèvres? Il est bien? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est trop? C'est magnifique! Peut-être un peu différent, mais tu es superbe! C'est l'heure de la fête! Fête, fête, fête! Wouhou! C'est mon tour! Limbo! Limbo! Hein? Maintenant, c'est le tour de la grande fille. Essayons encore une fois. Hein? Encore une fois. Hé, hey, mon garçon, peut-être un peu plus haut? Oh non, ça n'aide pas. Elle se débat. Mais les autres veulent jouer. Le limbo n'est pas son jeu. Limbo! Limbo! Quel ennui! Un bon petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. La petite sait que le lait est bon pour la croissance. Mais il y a un problème. Elle ne peut rien atteindre. Une seconde. Un oreiller. Un autre. Un troisième. Oui, c'est beaucoup mieux. Bon appétit! Bonjour! Bonjour! Viens prendre ton petit déjeuner avec moi! La grande fille a de longues jambes et la table est assez petite. On dirait que c'était une mauvaise idée. Oh oh! Maintenant, la petite fille est vraiment en colère! Oups! Désolée! C'est la guerre! Bataille de nourriture! Je suis en retard! Je suis en retard! Je suis tellement en retard! Pas celui-là! Pas celui-là! Non! Non! Hé, hey, essaye ma jupe et mon chemisier! Ils tiraient à merveille!
Vraiment? Je peux te les emprunter? Imagine à quel point tu seras superbe dans ces vêtements. Ce garçon sera stupéfait par ta beauté. Il ne pourra pas te résister et il tombera amoureux de toi. Oui! Essayons-la! Hein? Oh non! Les manches sont trop longues! Et la jupe? Je ressemble à un épouvantail! Regarde ces longues manches! Oh non! Je n'ai rien à me mettre! Ça m'étonne pas! Jouons! Un... Oh, deux, le jeu cache-cache est le jeu trois, préféré des filles! Quatre, la petite doit réfléchir cinq, à l'endroit parfait six, pour se cacher cette fois-ci. Non, trop évident! Quoi? Un poteau? Il n'y a aucune chance pour que tu puisses te cacher derrière le... Oh, tu peux! 7, 8, tu te caches encore derrière le poteau? Elle est douée pour ça! Oh, je connais l'endroit idéal! 100! Hein? Je me demande où elle est. C'est impossible de la trouver! Hey, petite! Sors de là! Je ne joue plus! Bien joué, petite! Elle ne te trouvera jamais! Maintenant, c'est mon tour! 1, 2, 3, ici! Oh, ah. Je ne rentre pas! Je sais! Essayons le placard! Ouch! Non, c'est trop petit! Prête ou pas, j'arrive! Hein? Hein? Oh, quel ennui! Quelqu'un peut-il lui dire que le jeu est terminé? Waouh, joli travail, petite! Tout est brillant! Salut! Non, 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 non! Arrête! Quoi? Je viens juste de nettoyer le sol! Désolée, il pleut dehors! Ok, je vais enlever mes chaussures mouillées si tu veux. Oh non! L'eau monte! On dirait que quelqu'un a ramené tout l'océan dans ses grosses chaussures! Vous feriez mieux de nager, les filles! La 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 la! Oh! Est-ce que cette voiture est un jouet? Je peux à peine rentrer ma tête dedans. Oh, attendez. Cette voiture est un cabriolet. Le ciel est la limite pour ma tête maintenant. Je suis un génie. Ouais, ne conduis juste pas sous un pont, génie. Quoi? Burk! Cette fille a de la chance, elle a de longs bras et peut tout atteindre. Le pare-brise est propre maintenant. Conduis prudemment et... Oh, tu as oublié une tâche. Vous êtes déjà monté dans une voiture et avez réalisé que vous êtes trop petit pour y entrer? C'est le quotidien de cette fille. Alors, elle est préparée. Oh, je ne peux rien voir. Ne vous inquiétez pas, un oreiller devrait faire l'affaire. Ou un de plus. Ou un de plus. Beaucoup mieux. Maintenant, allons-y. Or, être capable d'atteindre les pédales est en quelque sorte nécessaire pour conduire. Essaye un vélo, peut-être? Il est enfin là! La petite fille est si nerveuse! Salut! Waouh! La fille n'était pas préparée pour ce grand garçon. Mais il est si mignon! Un baiser? Haha, peut-être qu'un câlin est mieux maintenant! Les premiers rendez-vous sont toujours un peu gênants, mais ils forment un couple mignon. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Les films romantiques font pleurer les filles, surtout ces deux-là. Eh oh, donne-moi un mouchoir s'il te plaît. C'est tellement beau. Et voilà. Waouh! Waouh! Un fantôme! Un fantôme! Oh mon Dieu! Va-t'en! Allez! Oh, c'est juste la petite fille. Ce mouchoir est un peu trop grand pour elle.
prendre des selfies est un vrai combat pour ces deux-là. Soit la grande fille ne rentre pas dans le cadre, soit la petite a l'air... petite. Ça ne marche pas, on a besoin d'une perche à selfie ou quelque chose comme ça. Ah, bien sûr! J'ai une idée. Regarde ça. Waouh! Pas besoin de perche à selfie quand on a de longues jambes. Je t'ai dit que je suis un génie.